Quelqu'un qui lurk, qui bait, c'est quelqu'un qui se sert d'une distraction pour s'infiltrer, genre. C'est des rotations, genre, naturelles, tu vois. T'es en 2-1-2, le 1 va toujours apporter du surnombre là où il y a de l'activité. Et c'est automatique. Ça, j'assure le trade, parce que depuis tout à l'heure, je veux lui dire. Mais vu que lui, il a une mauvaise position, il a une mauvaise équipement, je vais pas, moi, prendre une ligne ouverte pour le défendre. Si je prends une ligne ouverte, que je me fais décaler, et il va enchaîner sur le MP9, il va faire 2 kills. Si je le laisse mourir, lui, et que moi, je revenge, comme là, j'ai fait, j'assure un 1 pour 1. Quand t'es en supériorité numérique, tu fais des échanges. Quand t'es pas en supériorité numérique, tu fais pas d'échanges. Oh putain, il y a encore 3 toxiques dans la game. Mais pourquoi je me tape tous les cancers de l'humanité? Frérot, Face It, c'est Gotham City en fait. C'est la ville de la criminalité, frère. C'est Chicago, frère. Mais comment ça? Oh, y a pas un mec normal, frère. Mais gros, imagine. Les gars, je suis considéré comme un mec toxique, on est d'accord? Moi, je suis considéré comme un mec toxique. Frère, eux ils sont plus que toxiques que moi, ils sont full mutés et tout, frère, rendez-vous compte. Flashing long, go, long. Yeah, one long. I'm pushing donut, he's going behind you probably, guys. We need you, you're long. One cave, one cave, one cave, one cave. Je vais qu'écran, je vais qu'écran, je vais qu'écran, je vais qu'écran. Le jaune killer. Le jaune killer. Ça fait mal. Ça. Don't lurk, please, guys. It's useless. Can we lurk later in the game? Flashing. 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 Don't go. Moi j'y vais pas. Non. Bouge, bouge, bouge. Je te demande un boost, boss. One cave. Donut. That is one. One dead. Donut, donut. Donut again, blue, we need you. Mid, I think he's pushing. That'd be one more blue. Peeking long, Kisha swingy. Can you just fake B so I can take red room and city? Fake flash, yeah, small into the I'm throwing smoke. Fuck my life. Je vais kick rock. Éclair, éclair. Ah, il m'a arraché la gueule. Arraché la gueule. Last B player, B player. Take I am planting the bomb. City close. Nice. Let's go out, guys. Throwing a flash, flashbang. Donut for sure. Is that? One donut. I'm so fucking. Toujours le jaune killer. Si round il a lurké 3 fois déjà. One A, he's smoking main. Un vrai entry frère. Oh non, tu m'as bloqué beau gosse. Un bon lurker. Un mec qui s'infiltre et qui ramène le jeu vers lui. Pas un mec qui s'infiltre parce qu'il y a de l'activité de l'autre côté. Un mec qui dit à son équipe de revenir vers lui en fait. Il redirige le jeu vers lui. Il s'infiltre en B, il dit revenez B les gars, revenez B. Et là il passe en entry, tu vois. Ça c'est un bon lurker. Ah
un mec. Il y a un kill là. Voilà. Et là, les mecs mid, ils avancent. Tu vois, regarde le jaune, il a commencé à avancer dans le mid. Il y a eu un kill ici. Donc ça rota. Le mec du mid a dû lâcher. Et là, il s'infiltre. Regarde le jaune. Là, il y a des kills ici. Il continue ses moves de s'infiltrer. Et il est en train de monter les escaliers du red room. Il va aller dans la red room window. Donc là, maintenant, on met de l'activité B. Regarde. Hop, le jaune, il vient de faire un kill. Voilà, il a tué le mec là-bas, là, au spawn CP. Ça, c'est un fils de pute de baiter. Donc là, on a créé du jeu et lui, il s'est infiltré. Donc, tu comprends la différence entre quelqu'un qui flanque, qui ne fait que bait pour avoir des kills de dos. Il profite de l'espace que lui prend ses coéquipiers, de l'espace ou du timing. Il y a de l'activité B, le mec mid il lâche, il dit c'est B, il y a des kills B. Le mec du mid qui est red room, qui est dans la window, il lâche. Si tu joues ici là, red room, ça passe en B, tu lâches, tu vas là-bas. Et j'ai remis encore des flashs parce que je suis pas moi un baiter en fait, j'ai envie de gagner. Et lui il est arrivé là, il a fait ça et il a fait ça comme ça. Il a fait, oh un mec au spawn là-bas là. Tu vois ? Regarde, c'est simple, c'est des rotations naturelles. Regarde, tu vas voir. Cave. Alors cave, je suis obligé d'aller acheter de la DB. Je suis obligé d'aller à DB. Et je fais gaffe à mon cul comme ça dans leur cœur. Ça repart d'honnêt. Ready tempo. Une distraction, un bait c'est genre quelqu'un qui leurre, qui bait c'est quelqu'un qui se sert d'une distraction pour s'infiltrer genre. Et c'est des rotations genre naturelles tu vois, t'es en 2-1-2, le 1 va toujours apporter du surnom là où il y a de l'activité. Et c'est automatique. Bien évidemment que le jaune joue le mid, parce que c'est un baiter. Et tous les mecs voilà, veulent aller dans le mid. Il est caché là dans la gauche. Il attend que le vert passe et là maintenant lui il avance. Je peux rester 10 secondes ici et après je peux plus. One more. One more HP. You hit him. Mid, I do not have mid. Green, I do not have mid. Je lui dis quand même qu'il meurt pas. Mid. Ah, et là, moi je me sers de lui pour faire le kill. Et vu qu'on est 4v3, maintenant je lâche la zone, tu vois. Hey, steps. Ça j'assure le trade parce que depuis tout à l'heure je veux lui dire, mais vu que lui il a une mauvaise position, il a une mauvaise équipement, je vais pas moi prendre une ligne ouverte pour le défendre. Si je prends une ligne ouverte que je me fais décaler et il va enchaîner sur le MP9, il va faire 2 kills. Si je le laisse mourir lui et que moi je revenge comme là j'ai fait, j'assure à 1-1. Quand t'es en supériorité numérique tu fais des échanges, quand t'es pas en supériorité numérique tu fais pas d'échanges. Là tu vois ça passe en B. C'est long déjà. Air long. Yeah, ramp. Low last. Tu vois, donc là j'ai smoké la longue parce que je sais que le mec va vouloir prendre des timings sur nous. Donc on smoke longue, on reprend par la short. Merci, au revoir. Je sais pas. Parce que là on est en 4v5 donc je m'en fous. Et le jaune, regarde, il a pas cross la smoke hein.
Ça se voit naturellement que c'est un bait. Hein. Oh, I search, I search. I'm smoke donut, they can go red room. Yeah, two outside, P. Et le jaune, toujours en vie, tu vois. C'est un talent de rester en vie. Mais là, de score, le jaune chez moi, 11 morts, frère, c'est une dinguerie. Là, il se fait larquer par un mec ou c'est pas. Two ramp. Bomb has been planted. Ah, il est revenu à Red Room. Bloqué. We should, we had shit loss, but travel top to 50 instead of HLR. Nice. Upper. Ah, je l'aime. Banana. Be main. Les gens, c'est ça, c'est leur cœur en terreau, AWAP en CT. Voilà. Et là, il est dans une position safe, tu vois. Genre, il est là, la AWAP, il attend, boum, s'il rate son shot, c'est passé, il s'en bat les couilles, il va retake. Là, il retient encore ça. C'est des mecs qui ne servent à rien, c'est pas des playmakers, c'est des mecs passifs de fou qui attendent qu'il y ait des espaces partout. Ah, ça va pas, CB. B, something. Just one smoke. Moi j'essaye de faire quelque chose, je sais pas comment t'expliquer. Je bouge sur la map pour essayer d'avoir des infos. It's fake, go away, stack A. Tu vois? Tu vois les risques que je prends? Je peux me faire lurker là à tout moment, tu vois? Y'a rien. Yeah. It's A, full A. Donc là je dis à mes deux potes d'aller en A, ils seront deux pour réceptionner sur un 2v3. Moi j'arrive dans 15-20 secondes. Voilà, lui fait 1. Je peux accélérer. Flash dans leur dos. Voilà, lui il est tout blanc, j'ai gagné du temps encore. Et voilà la flash. Il a fait 2 kills. Ah, il a fait 2 kills à la WAP. On applaudit le jaune. Voilà, c'est. Qui reprend de l'espace là? Qui va se positionner sur la map, reprendre les infos? Qui va prendre ses couilles là? Là, s'il y a un mec qui m'attend, genre le push, c'est fini, hein, on est 2v3. Can be out mid. Pourquoi? Parce que je suis tout seul. Là je me fais smoke. Out mid, I don't know, I'm smoked. Donc lui il a fighté. Il y a des mecs bananes. Je viens les aider, tu vois. Parce que je savais qu'il y avait un petit trou ici. Voilà. Là je donne l'info qu'il y a un mec middle. Mon pote fait le kill. Là je viens aider en B. Je fais le kill. Il repush, je repush avec lui parce que ça me prend des risques. Wing T-spawn. C'était un mec dans mon dos en B, tu vois. Donc je repars en B. Et on fait le tour de chacun de nous là. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un mec dans mon dos. C'est faux ce que je dis. Il pourra jamais s'imaginer que je me suis repositionné sur la longue. Maintenant je reste en position morte comme ça. Les shots sur le mec cave. Et là j'ai un timing. Bibi. Voilà, merci beau gosse.
Je savais qu'il y avait un mec dans mon cul, hein, c'était sûr. Voilà. C'est qui va faire un move dans la smoke. Merci, au revoir. 15 à 9. On dit merci au jaune d'avoir 19 kills encore. C'est pas possible. Pourquoi je sais qu'il y a un mec dans mon cul? Je viens là, je vois la bombe qui revient vers moi. S'il revient vers moi, c'est automatiquement qu'il a un point d'appui sur la map. C'est automatiquement qu'il y a un mec qui lui dit « Viens en B, frérot. Viens en B. C'est safe. J'ai le B. » Donc je sais qu'il y a un mec dans mon dos, quelque part. Je sais pas où, mais je sais qu'il y a un... je sens qu'il y a un truc dans mon cul, quoi. Qu'il en a. Tu vois, là, il fait un entry. J'ai déjà lu, tu vois. Premier kill impactant qu'il fait. Donc là, c'est dans le Haven. Ah, c'est dans le mid, on va essayer de jouer pour l'aider. You're A. Je savais que c'était en... Le jaune a lâché le A. Hey, it's A, it's A. Coming A. I'm on the site already. City spawn us. Or temple, or temple. Oh. On va juste jouer les dégâts. Out mid, I think. Ah, ça me rend B. Tu vois, ça me rend B, je suis obligé de lâcher. Donc si là quelqu'un veut me lurker, je suis mort. Et le choix automatique. Two, three B, two, three B. Contact, close. Close, close, close again. Out. Là, je pense qu'il faut save et qu'il faut pas jouer le rôle. We try to save. Là, il y a un lurker en A. Ça fait 2-3 fois qu'il redirige le genre. Ah, merci Balek. Encore pour les infos de zinzin. There you already, bro. Là, je pense qu'il y a un mec au spawn, auteur ou un truc comme ça. Je vais pas reprendre d'autres parce qu'ils vont s'y attendre. Je pense toujours qu'il faut save, hein, perso. C'est un 2v2, on n'a pas la position, on a des kits. Là le truc c'est qu'il faut checker tous les angles. Ah là il a fait un kill important. Tiens Paul. Je smoke la bombe pour mon pote. Hit the bomb, hit the bomb, just hit him. Hit the bomb. Il se tempore. Ça l'oblige à sortir et là je le cover. Et là GG on gagne. Faut pas que je m'expose. Je prends, il prend, il touche, il sort, merci. Et j'ai 21 kills, il en a 21 aussi. Il a 15 morts, donc il est mort plus de fois que moi. Il a autant de kills que moi, mais il n'a servi à rien de la game. De toute façon, c'est simple, il a une étoile, j'en ai 5. Juste pour vous expliquer encore une fois que jouer pour soi-même, ça sert à rien, quoi. La game, il y avait 3573 d'élo, 4180 d'élo, 3042 d'élo, 3300 d'élo, 3800 d'élo, 4280 d'élo, 3155 d'élo. Voilà le lobby. Pour ceux qui veulent le lobby. On a gagné contre des mecs plutôt chauds.